Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je commence direct en lisant déjà le communiqué de la présidente de la République de Côte d'Ivoire. Suite au décès survenu le mardi 1er août 2023 du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République, le président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 2 août 2023 à la signature d'un décret instituant un deuil national de 10 jours, du mercredi 2 août au vendredi 11 août 2023. Au cours de ces 10 jours de deuil national, les drapeaux de l'État seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger, fait à Abidjan le mercredi 2 août 2023. Donc ce communiqué émane donc de la présidente de la République de Côte d'Ivoire, signé donc du président Alassane Ouattara. Malheureusement, depuis hier très tard la nuit, la mauvaise nouvelle est tombée. Le président Henri Konan Bédié, deuxième président de la République de Côte d'Ivoire, à 89 ans, a quitté les Ivoiriens, le monde des vivants. Et au-delà des différentes... au-delà des différentes déclarations et autres hommages des hommes politiques, atupeople.net, votre média digital qui traite donc l'actualité des hommes politiques, des people, que ce soit des artistes, des blogueurs, des influenceurs, a voulu s'inscrire dans cette actualité en vous livrant un témoignage exclusif, le témoignage surtout de l'un de ses enfants adoptifs. Il va intervenir tout à l'heure sur ce direct, mais bien avant de démarrer ce direct, nous avons pu avoir au téléphone le député Akoto Yao, député donc de Daoukro, que moi j'appelle affectueusement président Akoto. C'est un monsieur que je connais depuis de nombreuses années, qui depuis les années 2000 organise déjà le carnaval de Daoukro. Nous l'avons eu au téléphone tout à l'heure, il nous a dit qu'il venait d'arriver à Daoukro et il a promis pouvoir intervenir lors donc de ce direct qui va durer quelques minutes. Bien avant, c'est vrai que on a eu à annoncer un direct avec Vital comme invité, histoire de décrypter son mariage. Nous avons sursu donc à ce rendez-vous que nous avions pris avec les abonnés d'ActuPeople.net en raison justement de cette actualité, de cette triste actualité. Le président Henri Konan Bédié est un monsieur qui aura marqué le paysage politique en Côte d'Ivoire pour les jeunes, on va dire, de ma génération, ceux qui sont dans la trentaine ou la quarantaine. Nous avons vu en 1999, lorsqu'il a été victime du tout premier coup d'État qu'a connu la Côte d'Ivoire, alors qu'il venait de prendre le pouvoir quelques années plus tôt. Le président Henri Konan Bédié, là je ne vais pas me servir de Wikipédia, je vais parler de l'homme que tout Ivoirien peut connaître, que tout Ivoirien a pu connaître avant son décès, était le président du PDCI-RDA, premier parti de la Côte d'Ivoire, fondé par le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Henri Konan Bédié a pu accéder donc au pouvoir après le décès du président Félix Houphouët-Boigny en tant que président de l'Assemblée nationale. C'était donc, on va dire, le président, parce que le président Houphouët-Boigny était décédé, donc constitutionnellement, c'est lui qui a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Il est resté à l'état de Côte d'Ivoire jusqu'en 1999, lorsqu'il est parti par un coup d'État. Ce coup d'État qui avait été perpétré donc par ce qu'on avait appelé en son temps les Zinzins et les Bayoufins. C'était des militaires qui étaient allés en mission hors de la Côte d'Ivoire qui malheureusement, après, par rapport à des soucis de primes qui n'avaient pas été payés, s'étaient soulevés. Et ils avaient fait appel au général Guy Robert qui, lui, avait été le président du CNSP, le Conseil National du Salut Public. Ils ont dirigé... Donc cette junte militaire aura dirigé la Côte d'Ivoire de 1999 à 2000, jusqu'à ce qu'on ait les élections en octobre 2000, qui a vu le président Laurent Gbagbo prendre le pouvoir le 26 octobre 2000, et ce, à la suite d'un soulèvement populaire. Parce que lorsque, malheureusement, à la faveur de ces élections en 2000, certains candidats avaient été écartés, notamment le président Henri Konan Bédié, qui lui était en exil, le président Alassane Ouattara, et les deux grands leader qui était en face, il y avait le président Laurent Gbagbo et donc et Robert Guéhi, je crois, si j'ai bonne mémoire, Francis Boudier avec le Parti Ivoirien des Travailleurs, je crois, avait pris part aussi à ces élections. Il y avait aussi de petits partis qui avaient pris part à cette élection.
Et en le 26 octobre 2000, donc, Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en tant que quatrième président de la Côte d'Ivoire. Il a dirigé ce pays jusqu'en avril 2011, où il est parti après la crise post-électorale. Bref, donc, en résumé, je veux dire, ce direct, c'est pas pour moi en tant que journaliste ou encore moins patron d'un média digital de parler de l'homme politique, mais c'est de raconter l'homme politique par ceux qui l'ont connu au-delà du prisme politique. C'est vrai que nous avons envoyé nos équipes tout à l'heure à la maison du PDCI RDA à Cocody pour s'assurer un peu de l'ambiance. On a vu un peu, vous avez vu le reportage qu'on a servi sur la page actupeople.net. Le reportage a mis en valeur, on va dire, certains leaders du PDCI RDA et surtout des militants qui pleurent leur leader qui malheureusement est décédé depuis hier à 89 ans. Et donc nous, à la faveur de notre direct de ce jour, on va donc avoir en direct, comme je l'ai dit tantôt, l'un de ses fils adoptifs qui va nous parler de l'homme qu'il a connu. Il a grandi, ce fils adoptif qui l'a grandi avec lui, qui est parti à l'école, qui a mangé à sa table. Ce sont des témoignages souvent exclusifs. On va dire, ce sont des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Voir disparaître un ancien président de la République, c'est des hommages politiques qu'on voit, c'est un peu les faits d'armes politiques qu'on relate. Mais nous avons voulu aller au-delà de tous ces entrefaits politiques, mais pour présenter l'homme sous un autre prisme et que l'homme soit raconté, surtout, on va dire, par l'un de ses fils adoptifs et aussi, surtout, un ressortissant de la ville de Daoukro. Bien avant, je vais essayer de joindre le député de Daoukro, donc, Akoto Olivier, qui va certainement peut-être nous rejoindre sur le direct ou peut-être nous allons le prendre à partir du téléphone. Oui, président. Allô? Oui, président. Allô? Oui, président. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Vergès. Là, bonsoir. Oui. Là, vous êtes en direct, comme j'ai dit tout à l'heure, en direct, donc sur actupeople.net. Vous êtes député de la ville de Daoukro, la ville du président Henri Konan Bédier. Vous êtes aussi un leader du PDCI RDA. À l'annonce de cette nouvelle, c'est la question, on va dire, la première question qu'on va vous poser. Quelle a été votre réaction? Ben, avant tout propos, je voudrais m'incliner respectueusement devant la mémoire de ce grand homme, digne héritier du Faubourg, homme de paix, homme de consensus, catalyseur de la politique ivoirienne, Diako à tout le peuple ivoirien, et particulièrement à la grande famille Bédier et à la population d'Aoko. Et le président Bédier, pour moi, était un père et père. Et j'étais à Abidjan jusqu'à ce matin, et j'ai suivi tous les bout en bout, dans la consternation et avec beaucoup de peine que nous avons vu défiler les heures et tristesse. Et ce matin, en tant que député, je ne peux pas laisser ma population, donc je suis entré ici d'Aokro, où la ville est véritablement en émoi ici. D'Aokro est en pleurs, Pepresso est en lambeaux, et c'est la consternation totale ici, parce qu'on vient de perdre notre parapluie, le baobab, notre repère. Et donc, à ce moment précis, c'est Diako à la famille pleurer, à Mme Bédier, les enfants Bédier, la famille Bédier, à toutes ses connaissances, et à tous les militants du PCRDA, et naturellement à tous ceux qui, de près comme de loin, ont aimé le président Henri Konan Bédier, qui en fait aujourd'hui part tranquillement, après avoir combattu le bon combat, après avoir combattu le combat de la paix, et il est parti les armes de la paix dans sa main. Voilà, c'est un sentiment vraiment de désolation totale. On est beaucoup affligé. J'imagine l'émotion qui vous étreint en de telles circonstances. C'est vrai qu'hier, c'est allé très très vite. Malheureusement, on va dire, avec les médias sociaux, on a vu que l'annonce du décès du président Henri Konan Bédier s'est faite un peu à la va-vite, et non par des canaux officiels.
Comment est-ce que vous avez vécu justement cette entrée faite de l'annonce de son décès qui a été faite de cette manière assez brutale? Mais vous savez qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus d'intimité, ce qui est déplorable d'ailleurs. Ce qui est déplorable. Mais ça, on dénonce cela. Aujourd'hui, l'homme n'a plus de valeur. Je dis, la morale fout le camp. Tu vas sur les routes, il y a un accident, au lieu de sauver la personne, on passe le temps à filmer l'accidenté. Et qu'est-ce que la personne agonise là. Et quand on voit un malade, au lieu de s'occuper, qu'est-ce qui va se passer, préoccuper, on filme et puis après, bon. Souvent même, tu apprends le décès de ton parent sur les réseaux sociaux. C'est déplorable, parce qu'il faut pouvoir qu'on canalise tout ça, il faut quand même. C'est vraiment déplorable. Mais bon, je veux dire que ce qu'il faut retenir, c'était pour moi des moments très difficiles hier. Et aujourd'hui, nous avons encore les séquelles en nous. On continue de pleurer le président Ali Konan Bédié. Et c'est un voyage sans retour. Et c'est le grand peuple ivoirien qui perd un grand homme. Et il faut bien l'a dit, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Je vous assure que c'est dans peu de temps que tous les Ivoiriens sauront qui était Bédié et ce que Bédié représentait pour chaque Ivoirien. Pour le moment, ça pleure, et ça le consterne. Mais je suis convaincu qu'il y a certaines personnes qui ne mesurent pas encore la gravité et la portée de cette disparition. Mais c'est dans peu de temps qu'on saura que ce monsieur, l'évocation seule de son nom, canalisait beaucoup de choses, tempérait beaucoup de choses. L'évocation du nom de Bédié était un nom de consensus, un nom catalyseur. Malheureusement, les voies du Seigneur sont insondables. On prie pour le repos de son âme. Président, vous l'avez dit, un grand homme vient de nous quitter. Et les mots que vous choisissez sont tellement éloquents pour parler de l'homme. Vous qui l'avez côtoyé, qui l'avez connu, vous avez dit que le président Ali Konan Bédié était comme un père pour vous. Est-ce que vous pouvez nous servir un témoignage là? C'est vrai que on vous prend vraiment à chaud comme ça. Et moi, je voulais vous dire merci pour cet entretien exclusif que nous accordez après le décès de votre mentor, du président de votre parti. Mais si vous devez servir un témoignage exclusif après son décès pour vous qui l'avez connu, ce serait quoi comme un témoignage pour la postérité et pour ces jeunes et ces millions de personnes qui vont vous suivre? Donc, comme les témoignages sur les gens, tellement de témoignages, tellement d'intimité, tellement de choses qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut retenir, le président Bédié a toujours dit « Tendez la main, partagez et pardonnez. Tendez la main, partagez et pardonnez. » Un grand homme de partage. Le président Bédié, au quotidien, je vivais souvent les sorties d'argent. Je m'interrogeais, mais monsieur le président, comment vous arrangez pour sortir cet argent? Il dit, mais on a besoin, il faut le donner. Je dis, mais c'est pas possible. Et je vous assure que même les week-ends, souvent pour les dons dans les funérailles, je pars où il dit que le montant qu'on prend pour se promener pour les dons dans les villages, il donnait à tout le monde. Il partageait, il donnait à tout le monde. C'est un homme qui était au cœur de sa population et très attaché à sa famille, très attaché aux valeurs morales, très attaché aux valeurs coutumières. C'est un homme bon. Un homme bon, un homme de pardon. Voilà pourquoi aujourd'hui, malgré tout ce que ce monsieur, le président Bédié, a vécu, je ne pense pas qu'un homme politique en Côte d'Ivoire ait pu vécu des coups comme ce monsieur-là. Il a résisté. Et malgré tout le coup que le Bédié a reçu, il n'a toujours pas donné. Souvent, on est souvent surpris de voir le président accorder des audiences à des personnes pour qui on penserait qu'il n'avait même plus leur parler. Mais c'est lui-même qui s'empresse à le recevoir. Je suis sûr que vous-même, vous êtes même surpris souvent. Et ça, c'est du Bédié. Aucune revanche en lui. Toujours la main tendue jusqu'à ce qu'il parte. Je retiens ce monsieur, un monsieur généreux, un monsieur bon, qui avait l'amour du prochain et qui avait pour religion la paix, la paix, la paix. Il a toujours dit, aucun sacrifice n'est de trop qu'il s'agit de la paix pour la Côte d'Ivoire. Il a toujours démontré. Alors au moment où on s'attendait même pas même, il était le premier à tendre la main. Ce monsieur était bon. C'est tout ce qu'il faut retenir. Merci encore, Président. Là, vous venez d'arriver à Daokro. Dans les heures à venir, on sait que il y aura beaucoup de rencontres forcément, mais déjà à chaud, qu'est-ce que vous allez faire dès demain?
du fait que vous arrivez à Dakola, il est pratiquement 19h en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous allez faire dès demain déjà? Mais déjà, l'arrivée d'un coup, c'est les parents. D'abord, il faut d'abord aller consoler les familles, les parents qui sont dans les pleurs. C'est vraiment les mois ici, c'est pénible à vivre. Mais on n'a pas le choix, il faut consoler. On n'a plus le choix, faut vivre la réalité. On apaise les populations, on les rassure, on les réconforte. Et on va continuer cela jusqu'à ce que chacun puisse accepter l'inimaginable. Voilà. C'est plus ça. Et nous sommes là au cœur de ces populations-là pour les rassurer, leur dire que le président Bédié a mené le bon combat. Dieu a voulu qu'il parte. C'est son heure, il est parti, il est parti. Prions pour le repos de son âme et la vie continue. Merci encore, Président. Beaucoup de courage à vous, toutes nos condoléances encore. On vous retrouvera certainement très bientôt en Côte d'Ivoire à la faveur peut-être d'une interview que vous allez nous accorder. Déjà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Beaucoup, beaucoup de force. Nous allons continuer ce direct-là, histoire de recueillir d'autres témoignages, comme je l'ai dit notamment tout à l'heure avec des enfants adoptifs. Vous avez dit, c'est un monsieur qui partageait, qui disait partager, pardonner et oublier. Et ça, vous, tu avais été témoin de beaucoup de choses qu'il a faites. C'est clair que de son vivant, il a dû accueillir et recueillir beaucoup d'enfants dans sa cour. Et nous avons la chance d'avoir. Et ça, je peux vous dire qu'on ne sait pas qui était enfant de Bédié, qui était neveu de Bédié, qui était. Le vieux donnait à tout le monde, sans calcul. Sans calcul. Des enfants adoptifs, des orphelins. Et surtout les enfants, ses anciens collaborateurs. Le président Bédié prenait soin de les rechercher partout. Ce monsieur était vraiment une chance pour la Côte d'Ivoire et il a servi la Côte d'Ivoire. Il a servi la Côte d'Ivoire. Et quand souvent on entend nos témoignages, on se demande si c'est du même Bédié qu'on parle. C'était monsieur bon. Et comme je l'ai dit, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Mais je suis convaincu que tôt ou tard, on dira qu'on sait pas, qu'on n'a pas compris Bédié. C'était un homme bon. Pour le moment, prions pour le repos de son âme et que toute la Côte d'Ivoire puisse pleurer de la dignité. En priant pour Bédié, en priant pour l'âme du président Bédié, et en priant pour que sa famille ait la force de traverser ce moment difficile. Merci beaucoup, Président. Merci infiniment. Merci. C'est Et bon un... courage à tout le monde. Merci. Que Dieu vous garde et bonne soirée encore. Merci. Merci beaucoup. Nous venons d'avoir en interview, en direct, l'intervention du député de Daokro, le député Akoto Olivier, qui vient juste d'arriver à Daokro. Nous allons maintenant chercher à joindre l'un des fils adoptifs donc du président Henri Konan Bédié. Et qui lui va raconter, relater l'homme, pas l'homme politique, mais l'homme, le père qu'il a été pour une multitude, le père qu'il a été pour toutes ces personnes qui arrivaient dans sa cour, qu'il adoptait. Le député Akoto l'a dit tout à l'heure, il faisait pas de différence, même que ce soit avec ses enfants. Marco, Oui, allô, Guillaume. ouais, tu peux chercher à joindre le direct, s'il te plaît. Ouais, tu vois les deux petits bonhommes là, tu cherches à rejoindre le direct et moi je t'accepte et puis on va pouvoir échanger. Donc j'attends que tu... Voilà, j'attends puis je t'accepte. Merci. Ok, ben on continue le direct le temps que Marco se connecte, c'est lui qui va nous livrer un témoignage en tant que fils adoptif du président Henri Konan Bédié. On a voulu faire la chose ainsi. C'est une manière pour nous, modestement, de rendre hommage à ce grand homme que la Côte d'Ivoire aura connu. Le député Akoto l'a dit tout à l'heure, il a su choisir les mots. Dans quelques années, on dira que la Côte d'Ivoire a connu un grand homme. Il ne pense pas si bien dire. Lorsque vous voyez le parcours du président Henri Konan Bédié, voilà. Ok. Lorsqu'on voit son parcours, quelqu'un qui a fait ses études aux États-Unis, après ensuite ministre de l'économie et des finances, j'ai lu un document aujourd'hui où le 1er août 1974, justement, il signait le prêt
qui a permis à construire l'autoroute, je crois, Abidjan-Yamoussoukro. C'est vous dire combien il aura apporté aussi à la Côte d'Ivoire. Il aura permis à développer ce pays-là. Oui, Marco. Bonsoir, Mais bonsoir on Guillaume. Non, ne te voit pas. Est-ce qu'on peut te voir à l'écran? je ne sais pas comment ça fonctionne, ce Ouais, c'est truc, plus en fait. en vidéo peut-être. C'est vrai que là, on t'entend, mais on ne te voit pas. Bon, là, je suis en train d'essayer là. Qu'est-ce que j'appuie ici, en fait? Normalement, je crois que c'est la captation en vidéo, un truc comme ça. Mais là, bon, ça n'apparaît pas, là, en fait. Le souci, c'est ça. Sinon, moi, je t'entends. Hein. Mais bon, si on n'arrive pas à t'avoir en vidéo, au moins, on t'entend très bien. On va échanger avec toi quelques minutes. Petite parenthèse, j'ai eu au téléphone tout à l'heure Denise Auguste qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre aussi sur le direct. Ok, c'est bon, ça. Voilà. Bon, là, on vient d'avoir donc le député Akoto, Olivier, député de Daokro, qui a intervenu depuis Daokro. Toi, en tant que fils adoptif du président Henri Konan Bédié, tes premiers mots lorsque tu as appris son décès? Je dirais simplement désolation, désolation, désolation. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Bouleversé, puis bon, voilà quoi. Vraiment, vraiment. Vu qu'on ne s'y attendait pas, on n'a pas vu venir. Donc, désolation, désolation. Parfait. Pour ceux qui vont suivre ce document, lorsqu'on dira l'un des fils adoptifs du président Henri Konan Bédié a intervenu sur le direct d'Actu People, forcément, on voudra t'identifier. Si tu dois justement te présenter, qu'est-ce que tu dirais? Bon, en fait, à l'état civil, je m'appelle Diomandé Blé Marc Henri Bédié. Qu'est-ce que je peux dire encore de surcroît? J'ai passé pratiquement toute ma vie avec le père, pas le président, mais le père d'abord, le papa, le papy. Et puis après, comme vous le savez, un enfant, quand il grandit après, il essaie de voler un peu de ses propres ailes, mais on retournait toujours quand même auprès du père. Bon, voilà, voilà un peu en un mot, en quelques lignes, comment je peux résumer ça. Parfait. Comment est-ce que toi, ton adoption intervient, justement? Bon, je dirais que peut-être que je suis mal placé pour parler de moi-même, parce que je suis né déjà dans les années 80, dans les années 80 à Daokro. Et en fait, moi-même, mon histoire, à l'époque, il y avait un gardien qui s'appelle Amadé, qui s'appelle Amadé, qui suivait la cour du président Bédié. OK. Et c'est quand j'étais en classe de quatrième, pendant les vacances, quand je suis arrivé. Et c'est là que ce vieillard-là a commencé un peu à me relater mon histoire moi-même. Donc, tout ému, tout bouleversé de l'écouter me raconter mon histoire. Après, j'ai demandé au daddy, j'ai dit, mais attends, Pépé, mais comment est-ce que je me retrouve là, tout ça? Et c'est là que le Pépé, bon ben, il m'explique un peu, ça dit tout le passage de ma vie. Bon, je sais pas s'il faut que je déballe tout ça ici. Bah justement, nous, on veut avoir un pan. Justement, c'est ce qui constitue l'originalité justement de ton parcours et de ton récit. Ce serait intéressant de nous donner quelques pans quand même de cette histoire-là. Parce que n'est pas quand même fils adoptif du président Henri Konan Bédié qui veut. Et c'est clair que ton histoire va beaucoup va étayer les lanternes et va aussi permettre qu'on puisse en apprendre davantage sur la famille du président Henri Konan Bédié. Bon, d'accord. Bon, je dirais simplement que d'abord, mon père fut un grand ami au vieux, au président Bédié. OK. Et ensemble, ils ont sûrement fait un long chemin. D'après plusieurs témoignages, voilà comment le président Bédié étant ambassadeur aux États-Unis,
Et mon père, à l'époque, étant préfet, d'abord sous-préfet et préfet, l'a fait rentrer, l'a convaincu de rentrer, l'a convaincu de rentrer sur Daokro. Et voilà comment le président Bédié accepte, avec la complicité de son grand frère aussi, du grand frère du président Bédié, voilà comment est-ce qu'ils arrivent à convaincre le président Bédié qui accepte de rentrer en Côte d'Ivoire. Et par la suite, ils arrivent à le convaincre de se présenter comme candidat à la députation de Daokro. Et voilà comment le président accepte de se présenter et il devient député. Et c'est par reconnaissance pour leur amitié, c'est par reconnaissance pour leur amitié que lorsque je naissais, d'après ce qu'on m'a raconté, lorsque je naissais, le président a demandé que cet enfant-là allait rester avec lui, cet enfant-là devenait automatiquement son enfant. Et puis, bon, et puis voilà. C'est comme ça que j'ai intégré cette famille depuis l'âge de, je dirais, 3 ans, 4 ans. 3 ans, 4 ans. Donc, tu vas carrément à l'école dans les bras du président Henri Konan Bédié. Où tu Tout commences? à fait. OK. Ton parcours scolaire se passe comment, du coup? Alors, mon parcours scolaire, d'abord, tout à fait, je passe tout mon cursus scolaire avec le président Bédié, jusqu'au collège. Au collège, comme j'étais un peu aussi un enfant, je dirais, assez têtu. Donc, je me retrouve à l'époque au collège Jean Mermoz. Après, je me souviens qu'un soir, j'avais fait une virée avec des potes, déjà tout jeune. Et le daddy, en fait, il m'avait puni. Et mécontent déjà de mes résultats scolaires. Donc, il m'a dit, bon, écoute, toi, apparemment, ici, tu ne sais pas que la vie est dure. Tu t'amuses beaucoup. Donc, voilà comment on me ramène à Daokro. Maintenant, là, c'était pendant pour le secondaire. Voilà comment on me ramène à Daokro. Je me retrouve à Daokro où je fais la connaissance de certains grands frères comme Franck Koufou et Bébel, Monsieur Siandou Fofana, Ministre Siandou Fofana, mon grand frère Patrice Zouro, et j'en passe. Et c'est comme ça que je croise un peu tous ces aînés-là. Et en un mot, voilà un peu, je passe toute ma vie avec le président jusqu'à ce que je finisse mon parcours scolaire. Et en Excuse-moi, il y tapant. a quelqu'un qui pense que c'est le fils du colonel qui dit qu'il demandait. Oui, Ah, ouais. bah, c'est le fils du colonel qui dit qu'il demandait alors, du coup. Ben Ok, oui. c'est un internaute qui a posé la question. Donc, Oui. j'ai vu le commentaire défiler vite fait. Merci pour la contribution, hein, cher ami. Vous qui avez posé la question. Donc, ça atteste quelque part de Ben, pas mal de choses. tu lui transmets mon bonsoir. À la personne, ok. En tout cas, merci à vous pour la question. C'est le fils du colonel Sidi qui demandait, qui est le fils adoptif du président Henri Konan Bédié. Justement, lorsque tu retournes donc à Daokro, tu vas à l'école jusqu'au bac ou jusqu'à quel niveau et après, comment ça se passe le reste de ton cursus? Bon, en fait, je vais à Daokro Il y parce que a pour moi, déjà, à Daokro, Bamba Bafin c'était. Michel qui dit que tu as son cousin, je crois. Bamba Bafin Michel. Ah, ok, bon, là, je bon, ouais, bon, sûrement, Ok, sûrement. ok. Bon, effectivement, là, je vais à Daokro d'abord pour une Ok. punition. Donc, je fais une année au lycée moderne Daokro où je croise tous mes amis, Monsieur Ngouan, Raymond Lebel, et puis bon, ben, tout le groupe de toute cette génération. Et après une année, je reviens sur Abidjan. Je reviens sur Abidjan, je fais la terminale, je Ok. retourne au Blaise Pascal. Ok. Après, je me retrouve à Pigé Casting. Et puis après, bon, ben, je décide comme ça de quitter la Côte d'Ivoire. Et bizarrement, ça coïncide un peu dans la période des années 99. Ok. En un mot, voilà un peu. Parfait. Pour les enfants de familles modestes, forcément, qui vont suivre ces directs ou bien qui sont connectés,
C'est clair que parler avec un enfant d'un ex-chef d'État, honnêtement, ça paraît lunaire. C'est ce que nous, on veut savoir. C'est pour ça, je vais te poser cette question. Quel genre de papa il était à la maison lorsque tu étais jeune garçon? Parce que tu rejoins la famille pratiquement à 3 ans. Lorsque tu es entré en 6e, tu devais avoir peut-être 11 ans, 12 ans. À 14 ans, 15 ans, tu es en 3e, tu as Daoko dans la cour. Comment était papa? Comment il était? Quel était Alors, votre rapport? si on pouvait dire, on a toujours tendance à entendre la mère poule. Mais si on pouvait dire papa poule, alors le vieux est un père poule. OK. Il est un père poule, c'était quelqu'un de rigoureux, travailleur. Et puis, une fois que tu arrivais à remplir ces conditions, c'est sûr que tu pouvais avoir tous les beaux petits cadeaux que tu désirais. Et moi, comme je le savais, parce qu'une fois on était à table, il m'a dit, écoute, tu sais que pour être un homme, faut que tu t'armes de courage. Il dit, le courage, la volonté et l'audace feront de toi quelqu'un de fort et de grand. Et ce passage m'est resté dans la tête, en fait. Et à chaque fois que j'avais l'occasion, chaque fois, bon, disons, pratiquement toutes les fêtes de Noël, c'était une fête à la maison. Et j'étais un peu, comment te dire, un peu aussi comme le pote flambeau de la mode. Parce que chaque fois qu'il me voyait, et c'était l'époque, si tu te souviens, cher frère, l'époque des guines pétées. C'est Tu vois? ça, la guine de Voilà. Cyril, comme on le disait en son temps. Voilà. Et un jour, Pépé me dit, mais attends. C'est quoi ce style? J'ai dit, ah ben, Pépé, actuellement, c'est ça la mode, c'est les guines pétées. Et quand tu n'as pas ça, quand tu n'as pas les dorsales, tout ça, ben, tu ne fais pas partie du jeu. Et comme à l'époque, bon, disons même pas à l'époque, parce qu'il n'a même pas fini, il n'a pas fini de le faire, à chaque fois, chaque enfant avait son enveloppe de l'argent de poche. Moi, comme j'avais je dirais, un grand nombre d'amis, toutes les fois, mon argent de poste finissait avant même la fin de la semaine. Donc, chaque fois, je trouvais une astuce pour lui soutirer les sous. Tu vois? Donc, comme je savais qu'il me disait chaque fois, écoute, mais quand est-ce que tu vas me présenter ta copine? Quand est-ce que tu vas me présenter une copine? Donc, chaque fois que j'arrivais, je disais, ah, mais pépé, tu sais, j'ai rendez-vous avec une amie aujourd'hui, mais là, j'ai pas d'argent. Et c'est comme ça que chaque fois, j'arrivais à lui soutirer les sous. Et en gros, c'était un père poule. En gros, hormis la politique, hormis tout ce que nous pouvons penser de lui politiquement, c'était quelqu'un de protecteur. C'était un papa protecteur. Je dirais même papy protecteur. Si vous avez remarqué, il y a chaque début d'année ou bien chaque anniversaire, mais on était tous entourés autour de lui, ou tous près de lui, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et on partageait toujours dans une fraternité, je dirais, une fraternité familiale assez énorme. Et je dirais que c'est ce souvenir-là que chacun de nous gardera vraiment pour la vie. En gros, c'est Justement, oui, ça. justement, tu permets. Là, ce qui me plaît, c'est que tu l'as dit tout à l'heure. Là, on n'est pas là pour parler de l'homme politique. On est là pour parler du père de famille, de ce monsieur, comme l'a dit tout à l'heure le député Olivier Akoto, le député d'Ankro, ce père qui était aimant dont tu parles. C'est de ce monsieur-là qu'on veut parler. L'homme politique, on va en parler sur d'autres terrains, dans d'autres espaces, dans d'autres médias. Mais nous sommes là pour évoquer le père, l'homme qu'il était. Justement, vous étiez combien d'enfants à la maison? Bon, je dirais, déjà on était nombreux, mais j'étais pratiquement, je dirais, le plus jeune à cette époque. OK. J'étais le plus jeune et mes aînés trouvaient que j'étais un peu trop l'enfant gâté. J'étais un peu trop l'enfant gâté parce que, figure-toi, cher ami, cher frère, déjà à cette époque, je faisais partie,
de la jeune génération des. J'avais déjà une 205 GTI à l'époque, très jeune. L'époque des Dodge et Sebago, de tout ce que tu peux t'imaginer. Donc, déjà à la maison, là, on était quand même nombreux, mais j'étais un peu comme l'enfant chouchou, tu vois, un peu comme comme on le dit dans le jargon, un enfant gâté. Mais à la fois, quand j'étais devant Pépé, parce que Pépé, c'est vrai, il savait à quel moment qu'il fallait jouer, il savait à quel moment il fallait taper. Je me souviens comme si c'était hier. Un jour, je suis sorti avec des potes pendant l'année scolaire et je suis rentré, disons, aux environs de 3 heures du mat. Et j'ai un tonton qui lui dit, ah ben tiens, le petit, il est rentré tard, tout fatigué, tout ivre. Et le vieux, il ne dit rien. Le lendemain à 10 heures, à l'époque, il n'y avait pas de portable. L'intendant de la maison qui m'appelle, on m'appelle au téléphone, je décroche. On me dit, bon, le premier chauffeur qui arrive sur Daokro, tu embarques dans la voiture et tu arrives aussi à Abidjan. Et j'arrive à Abidjan aux environs de 13 heures, de 13 heures par là. Donc je me dis, bon, ben, peut-être que on va manger ensemble. On va déjeuner ensemble. Mais imagine-toi, Guillaume, cher Oui. Guillaume, je reste là de 13 heures à la maison jusqu'à 1 heure du mat sans manger. Ça dit on m'a isolé quelque part. Je suis resté là de 13 heures jusqu'à 1 heure du mat. Et à 1 heure du mat, on me dit, bon, ben, voilà, il y a le vieux qui t'appelle. Donc quand je vois le vieux, quand il me regarde, déjà, je comprends que je dois faire les pompes, quoi. Tout Tu à fait. vois? Et là, déjà, je dis même, Pépé, c'est quoi le souci, tout ça? Il me dit, ben, attends, ben, je t'ai pas envoyé à Daokro pour aller ramasser toutes les bordels. Il paraît que c'est chez moi, tu fais la fête, tu ramasses tous tes bordels. Bon, en un mot, les cris d'un père. C'était un vrai Les père, au fait, au sens propre du Voilà, terme. les cris Il d'un savait père. remonter les bretelles à son fils lorsqu'il les Ex connaît. C'était exactement, un père exactement, ordinaire, exactement. comme tous les Comme pères, tous les comme tous les papas qu'on peut papas. avoir à la maison, ouais. Exactement, exactement. C'est un papa comme tout le monde. Un pépé aussi comme tout le monde. Hormis l'homme politique, c'était quelqu'un de gentil. Et voici quelque chose que chaque Guillaume, je sais, nous avons des amis en commun. Tu peux le leur demander. Voici quelque chose que moi personnellement qui m'a inculqué. J'ai eu la chance, j'ai eu la grâce d'avoir ce monsieur comme papy. Il m'a appris l'humilité. Il m'a appris le respect des autres. Ce qui m'a permis, je me vante très souvent de dire à certains amis en privé, j'ai dit Dieu et le vieux m'a fait la grâce de connaître les deux vies, la haute bourgeoisie et la basse classe. Et c'est cette sagesse-là, c'est cette expérience de vie qui m'a permis de rester humble, de rester moi-même. Voilà pourquoi mes amis d'hier sont restés encore mes amis d'aujourd'hui. Mes amis d'avant le coup d'État sont restés mes amis après le coup d'État. Parce que Avant de continuer et avant de parler de ces années en tant que président, parce que lorsque, même si on est enfant du président Henri Conan Bédié, qui a été ambassadeur aux États-Unis, qui a été ministre de l'économie et des finances, qui a été président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il devient président, c'est un autre statut. Avant de parler de ce passage de votre vie, lorsqu'on évoque les présidents, les enfants du moins du président Henri Conan Bédié, il y a un nom qui sonne tout de suite, c'est celui de Patrick. Quels sont les autres noms que tu peux rappeler là à la mémoire collective? On t'entend faiblement, hein? Marco? attendez. Non, là, je t'entends faiblement. À peine là, apparemment, je reviens appel. Là, je ne vous Vois entends pas. ça? Là, je ne vous entends pas. Moi, je t'entends faiblement.
Attends, le temps que Marco ne rejoigne le direct à nouveau, je vais prendre rapidement Denis Auguste. Mon frère, mais tu m'as envoyé un lien, je clique sur le lien, je vois le direct. Je Ok. vois même des cœurs, mais tu m'as dit il y a deux personnages. J'appuie sur les deux personnages, on me dit qu'il y a un avatar. Mais le truc, c'est Allô? que tu fais partie de ton profil Facebook ou pas? Quand tu me donnes le lien, là, quand je clique dessus, là, je vais directement sur Facebook. Hein. Quand je te suis en direct, là, je suis sur mon lien Facebook. Je te vois sur mon lien Attends, Facebook. attends. Là, tu es sur le direct en ce moment. Mais là, je te parle au téléphone, ça a coupé le direct. Ça a coupé ce que je regardais dessus. Bon, essaie de te mettre sur le direct. Je vais voir ceux qui sont connectés. Si je peux t'ajouter sur le Bon, direct ok, rapide. je vais t'envoyer un cœur. Je vais t'envoyer un cœur pour des raisons d'envoyer des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Je veux Ok. que tu m'envoies des cœurs de que tu vas me voir. Tu vas m'apercevoir. Ok, vas-y. Je ne sais pas, je ne sais pas, moi je ne sais pas. Bon, ok. Mais je peux faire les deux en te parlant parce que c'est pas, mon téléphone est un peu particulier. Attends, Donc, en même temps, je je reprends dois. Marco. Je reprends Marco et je Mais vois envoie quand si. même le son à finir parce que là, je ne sais pas à quel moment je pourrai introduire ton truc. Non, t'inquiète, envoie le cœur. On va te prendre au même moment que Marco. C'est juste faire le. T'inquiète. Essaie de te connecter déjà sur le direct. Quand tu es connecté sur le direct, tu m'envoies un message par WhatsApp. Là, j'étais en ligne avec Denis Auguste. Pour ceux qui connaissent Denis Auguste, il est. Attendez, j'ai note... j'ai pris quelques fiches. C'est vrai qu'il est ancien. Il était animateur sur Radio Nostalgie. Mais Denis Auguste a les liens séculaires avec le président Henri Konan-Bédié de par ses grands-parents. Donc, c'est un fils de Daokro qu'on va avoir aussi sur ce direct. Donc, Denis Auguste, il est le neveu de l'ancien maire de Daokro, le neveu de M. Tano Kouadio-Joseph. Et il est cousin à M. Thierry Tano. Voilà. Aujourd'hui, il est président de l'ONG Côte d'Ivoire Fraternité qui est affilié au RHDP. C'est lui que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Il va intervenir d'un moment à l'autre sur ce direct. On était en direct donc avec l'un des fils adoptifs du président Henri Konan-Bédié, Marco Prada. On essaie de le récupérer à nouveau. On essaie de l'avoir à nouveau sur ce direct. Il était en train de nous servir un témoignage très, très éloquent de ses années, donc en tant que fils adoptif du président Henri Konan-Bédié. Il a été accueilli pratiquement à l'âge de 3 ans, 4 ans dans la cour familiale du président Henri Konan-Bédié. Il a grandi au même titre que tous les enfants biologiques. Il a eu droit aux mêmes corrections comme il pouvait, comme il nous le témoignait. Il a eu en même temps droit à la même éducation, à la sympathie, à ce père aimant, à ce père qui partage, mais à ce père aussi qui pouvait les corriger. C'est cela le but de ce direct. Notre direct n'est pas de nous jouer un peu les experts politiques pour parler de l'homme politique qu'il était, mais nous avons voulu développer un autre angle. C'est un peu ça. Les angles de traitement d'une information varient selon le prisme qu'on veut choisir. Nous avons voulu choisir cet angle. L'homme politique, on va parler de lui sur des plateaux de la RTI, justement. À ce propos, j'ai fait une publication ce matin sur mon profil perso, sur mon profil perso, ou pas que je m'insurgeais. Mais je parlais un peu du fait que les gens portaient des propos, des critiques acerbes contre le fait que la RTI n'avait pas vite annoncé cette triste nouvelle. Je disais que malheureusement, en Afrique, les services de communication donnent très souvent les informations aux médias étrangers qu'aux médias nationaux. Et c'est clair que peut-être l'information qui a été donnée, cette information avait été donnée peut-être à des médias étrangers. Donc, ce sont ces médias qui ont été les premiers à apporter l'information, d'autant plus que il n'y avait pas encore de canaux officiels qui en avaient parlé. Puisqu'on a vu le communiqué du président de la République cette soirée, on a vu des hommages des hommes politiques comme le président du COGEP, le président Charles Blé-Goudé, qui a fait une publication pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. On a vu aussi le message de M. Guillaume Soro, président de GPS, qui a aussi salué la mémoire de l'illustre disparu. Il y a eu pas mal de messages de certains people, de certains artistes qui ont connu le président Henri Konan-Bédié, qui l'ont côtoyé. Mais nous, notre angle ici, c'est de parler de l'homme, de parler du père, et ce, de par le canal de l'un de ses fils adoptifs, qui est un de nos amis. Et il faut savoir que Marco Prada, de son vrai nom, il l'a dit tout à l'heure sur ce direct, il est très proche de pas mal de footballeurs. On a vu cet été à Abidjan avec Gervinho Kouassi, avec Franck Essié. On l'a vu avec pas mal de personnalités du monde du football. C'est un monsieur super sympa qui vit en Italie. C'est un ami d'un point de vue personnel. Et il a accepté, en tout cas, de pouvoir nous servir ces témoignages. Il faut dire que, justement, l'information du décès de l'ancien président ivoirien
était déjà sous forme de rumeur sur les réseaux sociaux hier autour de 20h en France, on va dire 18h, 16h pratiquement, parce qu'avec les médias sociaux aujourd'hui, il y a cette instantanéité, l'information va à une vitesse éclair, et c'est clair que les personnes qui avaient des sources sûres, ces personnes ont pu relayer l'information jusqu'à ce que la RTI et d'autres médias puissent donner l'information tard dans la soirée. Donc, je vais essayer d'avoir Denis Auguste. S'il n'arrive pas à joindre le direct, on va recueillir son témoignage à partir d'un appel WhatsApp. Il pourra en tout cas nous servir son témoignage. Et le temps qu'on puisse rattraper Marco, sinon au pire, nous, de toutes les façons, on va arrêter le direct à 22h00 parce que c'était 21h, 22h. OK. Guillaume Verchef. Oui, mon frère. Allô? Bah, là, on n'arrive pas à Oui, t'en. Quoi ça? Bah, on n'arrive pas à t'avoir sur le direct, malheureusement. Je dois me mettre à jour et j'espère bientôt recevoir une formation directe de ta part. On va dire ça comme ça, pour pouvoir mieux utiliser toutes les options de mon téléphone. N'y a pas de Sinon, problème. écoute, les nouvelles ne sont pas des nouvelles de joie en ce jour. Et tout à l'heure, j'ai écouté le premier intervenant, mon très cher Henri. Moi, je l'appelle habituellement Henri, hein. Henri, monsieur le président. Donc, il a pratiquement tout dit. Et je suis assez peiné pour lui et en particulier pour mes cousins, monsieur le ministre Thierry Tanot et Lee Grand-Kofi, monsieur le directeur. Et depuis hier, j'ai vraiment une grande tristesse en moi pour mes cousins qui, eux, ont une histoire directe avec le président Henri Colombidier. Donc, c'est pas la grande forme, on va dire, aujourd'hui. En tout cas, merci déjà quand même de pouvoir nous servir cette intervention. Tout à l'heure, on a eu comme ça en intervention le député Olivier Akoto, le député de Daokro. On l'a eu sur ce direct avant de recueillir le témoignage exclusif de Marco Prada ou encore Henri. Il a décliné son identité tout à l'heure. Voilà. Bruxelles et à Paris, c'est un monsieur super sympa, très intelligent et avenant. Donc, on n'a pas des rapports en continu, vu nos agendas carrément différents. Mais je sais qu'il a toujours le mot de politesse et une courtoisie, on va dire, de l'extrême. Voilà, Marco Prada, comme tu l'appelles familièrement. Tout à fait. Tu l'as dit tout à l'heure, toi, en tant que cousin de M. Thierry Tano et surtout neveu de l'ancien maire de Daoukro, M. Tano Kouadio Joseph, tu es donc ressortissant, tu es un fils de Daoukro. La ville du président Henri Konan Bédié. Si tu dois dire quelque chose de M. Henri Konan Bédié, au vu de vos liens séculaires, qu'est-ce que tu pourrais dire là du coup? Je retiens vraiment deux grandes lignes concernant M. le président Henri Konan Bédié. C'était un homme vraiment bon envers ceux qui avaient accès à sa personne. Et selon ce que j'ai su il n'y a pas longtemps, il s'entourait beaucoup de ses proches à qui il demandait conseil pour tout ce qu'il devait entreprendre. Donc, je crois qu'il était, pour ma part, un monsieur assez attentif quand même aux besoins de ceux qui gravitaient autour de lui. Voilà, donc c'est vraiment ces deux grandes lignes, là, comme l'a souligné tout à l'heure Monsieur Marco Prada, enfin le très cher Henri, Marco Prada, voilà. Je n'ai pas de témoignage direct avec lui, sincèrement, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Voilà, ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai eu des rapports continus, de façon directe. Mais je sais, de par mes cousins, dont il est le parrain, voilà, de façon officielle au sein de ma famille, voilà, monsieur le directeur Lee Grand-Kofi et monsieur le ministre Thierry Tanot, je sais que par eux, il a été vraiment un père et un repère pour ces deux, parce qu'ils ont perdu tous deux leurs parents, leur père génétique assez tôt, et par reconnaissance, le président Henri Konan Bédié s'est porté tout de suite comme étant un père pour ces deux. Voilà, donc j'en garde, si tu veux, ce témoignage là, qui pour moi est une marque de grand. Parce que être le père d'un orphelin, c'est être un grand dans la tête et dans le cœur surtout. Voilà, donc je garde ces souvenirs-là. Il a été certainement, en plus de ça, un acteur
de prospérité pour certains membres de ma famille. Je sais que bon, d'autres ont eu la chance d'avoir des postes et tout grâce à ces interventions, je ne sais pas lesquelles, mais en tout cas, dans les bruits de couloir, quand il s'agissait du président Bédier, ils étaient tous unanimes. C'était l'homme qui était le parapluie dans notre famille, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Pour beaucoup d'entre eux. Donc, je reste assez triste pour eux. Et puis, j'espère que le bien qu'il a semé sur terre pourra lui ouvrir les portes du royaume des cieux. Amen. En off, vous parlez de vos grands-parents, et moi j'ai envie que tu reviennes un peu sur cette partie de ces liens très forts de ces grands-parents-là au niveau d'Ancro. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus en quelques mots? En fait, moi, quand tu m'as appelé, je me suis dit, mais attends, je vais pas venir faire l'imposteur. J'ai pas une relation directe avec lui. Et que de mémoire, je sais que le président Henri Conan Bédier a grandi de façon générationnelle avec mes oncles, c'est-à-dire le père de monsieur le ministre Thierry Tanot et mon oncle Feu Tanot Kouadio Joseph, ancien maire de Daoukro. Ils étaient tous, je crois, des jeunes de Daoukro, et ils avaient accès à la cour de mon grand-père. Et mon grand-père était, il paraît, un homme assez généreux. Et le bien qu'il a apporté au président Henri Conan Bédier a été certainement ce qui a permis au président Henri Conan Bédier de nous ramener l'ascenseur en voilà en nous prenant comme étant des bébés. Étant l'un des plus grands planteurs de la boucle du cacao de la région, avec le nombre d'enfants qu'il avait, le nombre de garçons qu'il avait, était aussi le papa de beaucoup d'hommes issus de cette terre de Daoukro. Donc, cette terre de Daoukro nous a adoptés, et c'est ce qui fait ce lien-là. Mais j'ai pas, moi, un témoignage direct. Voilà, c'est plus ou moins de par voilà ce témoignage de famille que je me sens aujourd'hui assez triste pour ce départ dans l'au-delà d'un monsieur qui, ma foi, reste l'un des plus grands hommes d'État en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un peu ça. Pour la petite histoire concernant ma famille, c'est le tableau, on va le dire. Voilà, il a été camarade, ami, frère à mes oncles, et ça crée des liens, ayant grandi, voilà, ayant parcouru les mêmes sentiers dans cette région de l'Ifou, voilà, ils ont tété certainement voilà le même lait ou mangé les mêmes voilà plats de foutou. Donc, ça crée des liens, tout ça, tu vois, ça remonte à je sais pas quoi. Mais bon, nous, nous sommes juste des descendants, voilà, d'une histoire qu'on n'a pas certainement pu écrire, mais qu'on a certainement voilà mémorisé quelque part parce que nos oncles, nos tantes nous l'ont partagé. Merci encore, Président Denis Auguste. Merci. Moi, je t'appelle Président. Tu connais un peu nos rapports. Et je voulais te dire grand merci. Ouais, je voulais te... Non, mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on se connaît. On se connaît, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Denis Auguste, pour ceux qui ne savent pas, il était animateur sur Radio Nostalgie. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est président de l'ONG Côte d'Ivoire Fraternité. Mais il reste un acteur privilégié du cercle People ivoirien. Et je voulais te dire merci encore pour cette amitié que tu me témoignes en faisant cette... Ouais. Mais je te remercie pour ce que tu fais déjà voilà pour apporter ce vibrant hommage au président Henri Conan Bédier. Voilà, il le mérite, je pense, parce que c'est vrai que les médias nationaux, il paraît, n'ont pas été proactifs. Mais cela dit, je pense qu'aujourd'hui les choses se sont mises carrément, tout s'est mis en place, on va dire. Et puis voilà, l'hommage de ce grand monsieur, de ce grand président, de ce grand homme est à jour, on va dire. Donc, merci d'apporter ta contribution à la chose. Et comment dire, pour finir, enfin, je t'accorde tous mes vœux de réussite dans ton activité. Ah, voilà, à travers Actu People, et félicitations pour le prix que tu as reçu, il paraît. Voilà. Ah ouais, merci. C'est vrai, pour le prix du meilleur média, de la presse numérique. Ok. En tout cas, à très bientôt. De toutes les façons, je te reprends tout à l'heure hors antenne. À tout à l'heure. On vient d'avoir l'intervention de Denis Auguste. C'est vrai que
Nous n'avons pas le cran, encore moins l'étoffe nécessaire pour parler de ce grand homme d'État qui vient de quitter la Côte d'Ivoire. Ce grand homme d'État qui est décédé depuis hier. Toute la Côte d'Ivoire le pleure. Et nous, en tant que média digital très suivi par les jeunes, nous avons voulu à notre façon lui rendre hommage. Nous avons pu avoir l'intervention du député Olivier Akoto, le député de Daokro. Nous avons eu ensuite les témoignages exclusifs et éloquents de l'un de ses fils adoptifs. Il en avait pas mal, des enfants adoptifs. Et vous avez vu un peu comment est-ce que ce soit les députés Akoto ou encore Marco Prada, qui était notre invité, comment est-ce qu'il décrivait le président Henri Konan Bédié. C'était une personne très altruiste, quelqu'un qui partageait, quelqu'un qui aussi, en tant qu'homme d'État, en tant qu'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, a eu à diriger la Côte d'Ivoire à sa manière. Et là-dessus, justement, je vais vous lire ces deux hommages que lui ont rendus des hommes politiques, et c'est sur ça qu'on va refermer ce direct. Je vais lire en premier l'hommage du président de GPS, donc Guillaume Soro, et qui écrit ceci, je vous lis ça rapidement. Il dit, communiqué de son Excellence Guillaume Kibafori Soro, suite au décès de son Excellence Henri Konan Bédié, c'est avec une vive émotion et une profonde tristesse que j'ai appris la terrible nouvelle du décès de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Henri Konan Bédié. En cette période de deuil, je tiens à présenter mes plus sincères condoléances à son épouse Henriette Konan Bédié, à ses enfants, à tous les membres de sa famille, au PDCI RDA et à tous ses proches. Le président Henri Konan Bédié a été une figure emblématique de la vie politique ivoirienne et laisse derrière lui un héritage remarquable en tant que président de la République et leader du parti. Son dévouement envers son pays et son parti a été inébranlable et son influence sur la nation restera gravée dans l'histoire. Je tiens également à exprimer ma filiale reconnaissance pour les liens particuliers que le président Henri Konan Bédié a partagé avec moi en me considérant comme son fils spirituel et en m'honorant de ses conseils et de ses bénédictions incessantes. Je rends hommage à l'homme d'État exceptionnel qu'il était, capable d'inspirer et d'établir des liens sincères avec ceux qui l'entouraient et suffisamment intègre pour demeurer loyal à ses convictions, à ses valeurs, quelles que soient les circonstances. En cette période difficile, je demeure dans la douleur et le chagrin aux côtés de sa famille. La Côte d'Ivoire saura rendre hommage à la mémoire de feu Henri Konan Bédié, qui restera à jamais dans nos cœurs en tant que grand homme d'État et leader exemplaire. Signé Guillaume Kibafori Soro. Je vais lire rapidement le message de Charles Blegoudé, le président de COGEP, qui lui aussi a laissé un message à la mémoire du président Henri Konan Bédié. Il écrit ceci, il écrit « Chers compatriotes, je viens d'apprendre avec une grande tristesse le décès de l'ancien président Henri Konan Bédié peu après son hospitalisation d'urgence à la PISA. La mort de ce grand homme d'État est une perte dont je mesure l'ampleur. Il cumule un grand parcours professionnel et une carrière politique exceptionnelle. Sa stature d'homme d'État, son humanisme, son amour du travail bien fait, son caractère de bon vivant et son humour vont nous manquer terriblement. Le doyen de nos présidents s'en est allé pendant que nous avions rendez-vous, un rendez-vous en suspens. Le président Bédié nous laisse ainsi orphelin d'une certaine idée de la Côte d'Ivoire qu'il a su bien incarner. Sincères condoléances à Madame Henriette Konan Bédié, à ses enfants et à l'ensemble des membres de sa famille, à sa famille politique et à l'ensemble du peuple ivoirien, je tiens à adresser mes condoléances les plus attristées. Dans cette douloureuse épreuve, je tiens à vous exprimer ma solidarité ainsi que celle du COGEP, que son âme repose en paix. Charles Blegoudé. Voilà. Donc, un deuil national de 10 jours a été décrété par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Sur ce, va se refermer donc ce direct. Hommage à l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, décédé hier. Nous avons reçu donc lors de ce direct le député de Daokro, je le rappelle encore, Olivier Akoto, et nous avons reçu le témoignage de l'un de ses fils adoptifs, Marco Prada, qui nous a joint depuis l'Italie. Et nous avons eu aussi l'intervention de Denis Auguste, fils de Daokro, cousin à Tiritano, qui est l'un des fidèles lieutenants du président Henri Konan Bédié. Nos condoléances les plus sincères et les plus attristées à la famille Bédié, à sa veuve Henriette Konan Bédié. Vous connaissez l'homme, vous pourriez vous documenter éventuellement sur
sur sa vie, sur son parcours et sur ce que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour ce direct pour le compte d'ActuPeople.net. Rendez-vous, nous avions pris rendez-vous pour un direct avec Vital, histoire de décrypter son mariage. Au vu de l'actualité, donc ce direct a été différé. On va le faire certainement selon la disponibilité de l'artiste. Ce sera peut-être demain, après-demain ou le dimanche. Ça dépendra certainement en tout cas de son calendrier. Et lors de ce direct, il y aura d'autres interventions de certains de nos invités, voilà, dont on va garder les noms secrets pour le moment. Que Dieu vous garde, excellente soirée et à très bientôt pour un autre direct sur la page Facebook ActuPeople.net. Merci.